quels sont les jeux mobiles qui ont cartonné et quels sont les jeux mobiles qui ont flop, épisode août 2024. On va voir ça ensemble. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Comme chaque mois, nous allons voir les revenus générés par les jeux mobiles. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que MiYoYo a enfin lâché le trône, hein, parce qu'ils sont dessus depuis très très longtemps. Et actuellement, les jeux MiYoYo dominent les jeux gacha. Les revenus qu'ils génèrent sont faramineux. C'est, voilà. Dans le top 10, il y a 3 jeux MiYoYo. Enfin, non, excusez-moi, je me suis trompé. Dans le top 5, il y en a 3. Est-ce que enfin ils ont lâché un peu du laisse? Petit spoiler. Oui. Oui. On va voir ça ensemble. Avant de commencer la VOD, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Les amis, pensez-y. C'est gratuit. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Alors... En bas du tableau, on retrouve Artirigir qui semble avoir fermé leur serveur. Voilà. Bon. Igan Erutil, ça sent pas bon. Devil May Cry en Chine, ça sent pas très bon. Igan Erutil Chine, pareil, ça sent pas très bon. One Punch Man, ça sent vraiment de moins en moins bon. C'est. Peut-être qu'ils attendent la sortie de l'anime, mais en attendant, ils sont en train de canner là. Captain Tsubasa, sorti décembre 2023, est déjà en train de canner. Black Clover Mobile, pareil, sorti récemment, 25 mai 2023, ils sont en train de canner. Un jeu gacha qui génère même pas 100 000 $, c'est vraiment le décès, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve? One Piece Dream Pointer, sorti en avril 2024 et qui flop, là. Très surprenant. Visuellement, c'est magnifique. Après, le système de jeu ne plaît pas peut-être à tout le monde. Bon, les gens qui attendent une sortie globale, c'est mort. Enfin, moi, je pense que c'est mort. On verra, mais les jeux One Piece développés pour le marché chinois en général, voilà, ça reste sur le marché chinois, malheureusement. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tiens, un nouveau jeu sur ReZero. Donc sorti pendant le mois d'août. Pour l'instant, ça fait un petit démarrage. Après, il est sorti le 26 août. Donc ça fait en 5 jours. Il a généré 120 000 $. Pour l'instant, ça concerne que la version japonaise. Donc dites-moi si quelqu'un a installé le jeu. Et si vous avez pu le tester. Brave Exus, global, ça sent moyennement bon. Atelier, c'est un jeu 2024, pareil, ça sent moyennement bon. 4 Fantasy, on m'en a parlé, je ne l'ai pas encore installé. Voilà, sorti en août 2024. Dites-moi si quelqu'un a pu le tester. Je ne peux pas tester tous les jeux, les amis. Hein, donc voilà. Est-ce que c'est un jeu intéressant ou pas? Alchemy Star, ouais, bof, Langrisseur. Ouais, pareil, pas de grand changement. Persona 5, The Phantom X, sorti en avril. Bon, ça stagne. Ensuite, on retrouve Danmachi, Octopath Traveler, donc toujours dans le bas du panier. Punishing Grey Raven, Jap. Bon, c'est un peu juste, mais. Ensemble Star, Punishing Grey Raven Global fonctionne un peu mieux. Honkai Impact 3 Global, bon, rien de particulier. Puzzle & Dragon Global, pareil, rien de foufou. La version japonaise, pareil, c'est pas incroyable. Tower Fantasy qui a un peu cartonné là. Hein. Tower Fantasy qui a pris un virage assez rigolo, assez atypique. Ils ont misé sur le fanservice. Voilà. Désormais, on peut créer des salons et retirer le bas de certains personnages féminins. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne pour eux? Bah, vu les chiffres, apparemment, c'est pas mal. On passe de 200 000 à 400 000. Donc voilà, quand un jeu ne fonctionne pas, ils sortent la dernière carte, le dernier joker qu'ils ont sous le coude, c'est le fan service. C'était censé être le Genshin Killer. Hein. Voilà.
Ensuite, Bravexus Jap, ok, pas d'évolution. Blue Lock, pareil. Alors, Blue Lock Project, sorti en avril, mais bon, j'ai... ça me dit rien. Je sais pas s'il y a des gens qui jouent. Niveau Shin Epic 7, bon, grosse déception. Bon, après, c'est la Chine. Tower Fantasy, pas de grande évolution pour la version chinoise. Black Clover Mobile, qui continue sa descente. Bon, 600 000, ça reste correct. Mais on est loin du début quand même. Dolphin Wave, je connais pas. Octopath Traveler, version japonaise. Break My Caves, ok. Wars Vision, qui stack, ok. Outer Plane, bon, qui stack également. Brown Dust, pareil, ça. Bon, petite baisse, mais ça reste, on va dire. Ça va. Tant qu'on fait le million, enfin, tant qu'ils font le million, c'est pas mal. Final Fantasy VII Ever Crisis, qui va fêter ses 1 an. Pour le mois de septembre, je crois que c'est le 7 septembre, à son anniversaire, donc là ils sont en plein décompte, donc peut-être un retour d'intérêt pour le mois prochain. DB Legends, qui perd quasiment 2/3 de ses revenus. Alors, en même temps, voilà, le truc c'est que actuellement sur la version, actuellement sur Dokkan Battle, c'est, il se passe une grosse célébration, donc voilà, une grande partie des revenus sont peut-être redirigés vers Dokkan Battle. AFK Arena qui remonte un petit peu. Honkai Impact 3 Chine, ça reste vraiment pas mal. AFK Arena aussi. One Piece Treasure Cruise, grosse remontée. Je crois qu'actuellement il y a une grosse célébration aussi. Alors, Jujutsu Kaisen Phantom Parade qui, je le rappelle, va avoir droit à une version globale dans quelques mois. J'espère le plus tôt possible. Mais en tout cas, voilà, on peut déjà se préinscrire sur la version globale. Stagged également en termes de chiffres. Ark Knights, grosse progression. Snowbreak, grosse chute quand même. Grosse chute. Ce jeu a 1 an maintenant. Sorti. Ah, bah, il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Ok. Reverse, qui fonctionne toujours très très bien. Fate Grand Order, toujours dans le top, dans le top 20. Epic 7, grosse chute également. Mais ça reste quand même très très bien. 3 millions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah, voilà, on cherchait la Dokkanerie. La Dokkanerie se trouve ici. Bon, quand même, grosse chute. Hein. Ça, c'est la célébration. Donc, ça, c'est août. Et ça, donc, c'est juillet. Donc, Tanabata qui a mieux fonctionné. Enfin, la partie 1 de Tanabata a mieux fonctionné pour l'instant que la célébration mondiale partie 1. Voilà. Pour l'instant. Voyons septembre pour voir comment ça va évoluer. Ark Knight Jap fonctionne très très bien. Wuthering Waves qui continue sa descente. Hein. Chaque mois on perd quasiment le double. Enfin on perd la moitié des revenus générés par le jeu. DB Legends qui fonctionne toujours très bien version globale, même s'il a eu un petit divisé par deux là. Solo Leveling qui avait commencé à 40 millions, puis 20 millions, et puis là, ça arrête à 10 millions. Ça reste correct. Hein. Bon, moi, j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est un peu redondant, mais il y a toujours cette fanbase très présente. Fate Grand Order, comme d'habitude, ça fonctionne toujours très bien. Puddle Dragon, ça reste... c'est un jeu qui est plus que Dokkan Battle, qui reste dans le top. Hein. Comme quoi, hein, les collabs, ça fonctionne très très bien. Ça permet de maintenir des vieux jeux comme ça. ZZZ qui avait cartonné à sa sortie et désormais après la découverte voilà, c'est, on a un peu moins d'entrain, un peu moins d'euphorie, donc divisé par deux les revenus. Nikkei qui stagne, la version chinoise qui a connu la plus grosse chute, hein. On passe de 70 millions à 16 millions, ça reste très bien 16 millions, hein. Mais on parle quand même de ça a été quand même quasiment divisé par 3 là. Genshin Impact qui a pas trop évolué. Honkai Star Rail aussi. Genshin Impact Global un peu fonctionné. Dokkan Battle Global qui a quasiment pas bougé. La Global. Ça cartonne. Hein. Et là, actuellement, Dokkan Battle se trouve dans le top 10. Là. Et même devant les différents jeux Genshin Honkai. Après, là, c'est les revenus que de la version mobile. Ça prend pas en compte les achats PC.
Genshin a une version, enfin, un launcher PC, pareil pour Honkai, etc. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'évolution pour la version mobile, parce que peut-être beaucoup de joueurs payent directement sur la version PC. Et je pense quelque part que les revenus générés par Genshin et Honkai sont devant Dokkan Battle, parce que Dokkan Battle, tu n'as qu'à la version mobile en fait, tu n'as pas de version PC. Et de toute façon, voilà, Genshin Impact et Honkai Star Rail, ce sont des jeux qui se jouent sur PC. Hein. Il n'y a pas beaucoup de téléphones qui sont en mesure de lancer ces jeux dans des bonnes conditions. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir un jeu tiré de la licence Dragon Ball dans le top quoi. Hein. Face aux mastodontes MiHoYo, voilà. Et devant DB Legend aussi. Monster Strike toujours dans le top. Naruto Mobile qui cartonne toujours en Chine. Qui n'a toujours pas droit à une version globale. Pourquoi, je ne sais pas. Grosse percée d'AFK journée. Apparemment, ça s'explique par une sortie de la version chinoise. La version chinoise sortie en août. Donc, gros lancement sur la version chinoise. Et puis, du coup, il y a eu une... comme vu qu'il y a pas mal de com et que ça a peut-être poussé à d'autres joueurs à en revenir. Du coup, j'imagine qu'il y avait, pour le lancement de la version chinoise, il y a eu peut-être des cadeaux. Donc du coup, la version globale a été aussi tirée vers le haut, les amis. Donc là, si on cumule les deux revenus pour AFK journée, là, 25 millions plus 46 millions, on est à 70 millions, là, plus de 70 millions, ce qui est assez énorme hein, pour un jeu de type Idle. Par contre, Love and Dispace, s'il y a quelqu'un qui veut qui veut bien faire le cobaye pour tester ce jeu. Apparemment, c'est un jeu où tu joues, où les principaux protagonistes sont des beaux gosses, voilà. Donc c'est un peu particulier. Donc peut-être ça attire pas mal de public féminin. Mais c'est quand même rigolo. Hein. Nikkei qui attire principalement des joueurs masculins. Bon, ça reste bien, 17 millions ici pour la version globale. Mais Love and Dispace, c'est une dinguerie comment ça cartonne. Donc globalement, on retrouve quand même dans le top 10 des jeux MiHoYo. Mais voilà, ça a été dépassé exceptionnellement par AFK Journée ce mois-ci. Et puis Dokkan Battle qui maintient son cap. Qui enchaîne anniversaire plus Migate LR Tech. Plus célébration mondiale. Là, Dokkan Battle fait, enfin pour Akatsuki, c'est un très très bon été. Hein. Voilà, juillet août, carton. Et c'est pas fini, la célébration n'est pas terminée. La célébration mondiale se terminera début octobre. Donc on a encore une deuxième partie avec de nouveaux portails. Peut-être il y a un troisième portail. Hein. Jiren a été ajouté dans les assets, donc on n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie. Donc voilà les amis, bon, parmi tous ces jeux, je vais peut-être essayer de capter le jeu de chat là, qui a été lancé là, 4 Fantasy, et puis il faudrait que je trouve le temps de tester le jeu Kaisen, parce que voilà, histoire de voir un peu comment ça fonctionne, parce que la version globale arrive dans pas longtemps, donc, histoire juste de voir comment ça se joue concrètement. Donc voilà les amis, dites-moi, vous jouez à quel jeu actuellement ? Sur mobile ou sur PC. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Comme chaque mois, on fera un point sur les revenus gacha. Portez-vous bien, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ciao.